Alors, monsieur de Chevigny, vous présentez mardi à Saint-Cloud, Shane Bopp, qui vient de finir 7e à Cannes. Ce jour-là, il a été monté un peu plus frais que d'habitude, non? C'est bien cela? Oui, ce jour-là, surtout, c'était sur la PSF et on n'a pas voulu le monter trop loin. Mais je pense que le cheval en a fait beaucoup tout le parcours et ça l'a empêché d'être vraiment capable d'accélérer pour finir. Malgré cela, il est pas très loin. Il convient. Non, il démérite pas, mais vraiment, sur la PSF, avec un rythme qui roule tout le temps, le cheval, il se détend pas. Et donc, il tire beaucoup et du coup, il use beaucoup de batterie pour finir. Plus le rythme est élevé, plus il va vite, mais plus il tire aussi. Donc, il a besoin de se relaxer. On a fait l'erreur de le monter trop près ce jour-là. Donc, le contexte est complètement différent mardi. Ça va mieux lui convenir, probablement. Bah, moi, je le préfère quand même sur le gazon que sur le sable. Et ses performances sont meilleures. Là, on tombe effectivement dans un registre qu'il connaît très, très bien, avec un lot de quintet qui n'est pas trop fourni en grosse valeur. Donc, il tombe vraiment, vraiment dans sa catégorie et sur une distance et un parcours qui lui ont déjà souri plusieurs fois. D'accord. Donc, bon, il devra encore fournir sa meilleure valeur, quoi. C'est comme d'habitude. Ah oui, il a l'avantage d'avoir couru à Cannes, mais de ne pas avoir été essoré pendant le meeting, puisqu'il a couru deux fois. Donc, il arrive là avec vraiment de la condition, mais aussi de la fraîcheur et du travail. Donc, je pense pas qu'on puisse avoir un peu mieux le cheval que ce qu'on l'aura mardi, sauf ainsi.